Bonjour tout le monde, bienvenue, it's Diane, welcome back to my channel. And if you're new here, I'm the American behind the Living Abroad Lifestyle blog, We in France. I will link that down below. Check it out if you have a minute. But welcome to all my new subscribers. I made a little thank you video for you, so that's also linked down below. And as you can see, I am back in the bakery for that follow-up pastry video. This is Maison Travers in Cholet, France. So if you're ever in the area, let me know, I'd love to meet you, and maybe you come check out what we're making today. We are following the croissant process from start to finish. It's over a two-day process, so we will see what we get up to. There's a lot going on here at the busy bakery after lunch. And just before we get into it, I want to specify the word pastry in English encompasses a lot of things, including croissants, chocolate croissants, almond croissants, all kinds of fun things made with a puff pastry type of base. It also includes things like chocolate eclairs and other things that we kind of consider desserts in American culture. In French, there are two words that these things fall under. So we're gonna get into that. We're gonna hopefully learn a few things, and let's go. I'm a baker here. I work here since February. I used to work in Australia. I study baker and pastry cook for 5 years. So we will do croissant. So we start to do a dough for croissant. So I put water in it. It's sugar, salt, butter, and yeah, that's it. Half water and half flour, and we make it the day before. It's like for the taste, and it's gonna be more crispy with that. And how many croissants will this batch of dough make? Will this end up with what, 50, 100, 200? Like 1,000. 1,000? Yeah. I start mixing. Bonjour, alors Sébastien Travers de la Maison Travers. Ça fait 30 ans que je suis dans le métier, j'ai démarré à 16 ans et j'ai démarré parce que mon oncle était boulanger pâtissier. Je suis tombé dans la boulangerie pâtisserie à 6 ans et après j'étais faire des stages chez mon oncle et je suis devenu passionné du bon pain, de la bonne viennoiserie et de la bonne pâtisserie. Alors là je vous présente les deux produits phare de la boulangerie-pâtisserie en France, c'est-à-dire le croissant et l'éclair au chocolat. Alors chez nous, le croissant, il rentre dans la catégorie viennoiserie et l'éclair au chocolat dans la catégorie pâtisserie. Chez vous, c'est dans la même catégorie, c'est bakery. Alors la différence, c'est que entre un croissant et un éclair au chocolat, nous avons là de la pâte feuilletée avec de la levure, donc nous avons un produit vivant que la pâtisserie, les trois quarts des pâtisseries, ce n'est pas vivant, il n'y a pas de levure. Donc c'est deux catégories complètement différentes. So now my dough is done mixing, so I will wait for tomorrow. I will wait it for tomorrow. Okay, Jonathan, so what's your favorite part of your job, and is there something that's a drawback that you don't really like? So my favorite part of the job is molding the special. Like, it's a different kind of bread we do every day. And I don't really have a part of the job I don't like
I'm pretty proud to be a baker because it's kind of it represents French culture, and I don't know, I like it. Cook some baguettes and bread. Bonjour, donc, moi c'est Sylvain, comme vous avez vu la dernière vidéo, je suis boulanger ici depuis 4 ans, un peu plus de 4 ans. Ici bah, je fais la boulangerie, les croissants, un peu tout ce qui touche à la farine. Donc voilà. Donc là, hier vous avez vu avec mon collègue le pétrissage des croissants qu'il a mis au frigo. Donc aujourd'hui, 24 heures après, ça donne ça. Donc ça a bien poussé. C'est la fermentation qui a agi. Donc ici à la maison Travers, pour faire les croissants, l'idéal c'est de les faire sur 3 jours. Donc la première journée, le pétrissage. La deuxième journée, ce qu'on va faire là, c'est on va tourer les croissants, les détailler. Et normalement la troisième journée, c'est pour les cuire. Mais aujourd'hui, on va vous montrer sur 2 jours, donc on va les cuire juste après dans la suite de ce qu'on va faire. Donc la première étape, en fait, là on va d'abord étaler ce bout de pâte pour faire un rectangle. Après, on va incorporer le beurre à l'intérieur, ce qui va faire le feuilletage, et on va donner plusieurs tours. Et à la fin de ça, donc ça met plusieurs temps, donc il faut refroidir la pâte entre chaque étape. Et après, on va détailler. Donc on va rouler les croissants, rouler les pains au chocolat, faire les pains au raisin, faire des tortillons, faire plusieurs choses en fait. Donc dans certaines boulangeries, il y a plusieurs variétés de croissants, souvent deux, donc croissant à la margarine, ou croissant au beurre. Donc à Maison Travers, on fait que le croissant au beurre, c'est beaucoup plus fondant, il y a beaucoup plus de goût. Que la margarine, ça n'a pas de goût, enfin c'est fade. Et c'est moins calorique par contre, mais quand on mange un croissant, c'est pour avoir des calories. Donc là c'est la deuxième étape, on va incorporer le beurre à la pâte. La pâte a refroidi, donc elle est bien froide. Et là le beurre, il est à température ambiante, il est ni trop froid ni trop chaud. Donc ça, on va commencer par taper le beurre, on va incorporer à la pâte. Et après, on va faire plusieurs tours avec le laminoir. Donc ça va faire un peu de bruit, je suis désolé. Hein. Non. On le tape pour que ça soit plus facile à incorporer dans la pâte, pour que ça soit moins épais et pour que ça s'incorpore bien. 1,5 kg de beurre pour un peu plus de 4 kg de pâte. Donc là, ce qui est important, c'est que le beurre soit, qu'il y ait du beurre quasiment partout à travers la pâte. Donc là, on commence en fait avec une couche de pâte, une couche de beurre et une couche de pâte. Et quand on va faire plusieurs tours, ça va se multiplier et c'est ça qui va faire le feuilletage. Donc là, vous n'avez pas besoin d'aller à la salle de sport, vous faites votre musculation directement à la boulangerie. C'est pour Jonathan. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, on a étalé assez long. Et ce qu'on va, on va faire un tour double, ce qu'on appelle. C'est, donc en fait, on a notre couche de beurre, de pâte, beurre, pâte. Et là, on a encore une couche de pâte, beurre, pâte, qu'on va venir superposer l'un par-dessus l'autre. Et on va encore remettre la pâte l'une dessus l'autre. Donc là, ce qui fait qu'on a fait un tour double. Là, on va encore refaire un tour. Et là, un tour simple pour cette fois-ci. On coupe la pâte pour que ça soit assez droit, pour qu'on ait une abaisse bien droite. Ah, je suis désolé, il y a l'étuve qui m'appelle, il y a les croissants qui sont en train de pousser.
là on voit bien le beurre à l'intérieur. À l'intérieur du... On voit plusieurs couches de beurre. Et là, le pâton, on va le laisser au frigo. En attendant, on aura un quart d'heure, 20 minutes pour qu'il soit, qu'il prenne bien le froid pour pouvoir détailler. Donc là, le pâton touré qu'on a laissé refroidir au frigo. Donc là, maintenant, on va pouvoir détailler. Donc en fait, ça fait plusieurs couches de pâte, beurre, pâte à l'intérieur. Donc, on verra bien une fois détaillé, on verra beaucoup de couches entre chaque. On verra les couches de beurre, pâte se former. Donc là, on va détailler les croissants. La pâte est étalée. Elle est prête à être détaillée. Donc ici, en fait, on détaille avec un découpoir automatique, ce qui nous fait gagner du temps. On n'a pas besoin de donner des coups de couteau dans tous les sens. Et comme ça, on a une régularité du produit. Et voilà. Donc la viennoiserie, il faut être assez rapide, surtout en été, car le beurre, il a tendance à revenir en température très vite. Et pour travailler à viennoiserie, c'est bien que la pâte soit très très froide. Sinon, après, ça colle partout sur les mains, ça colle partout sur le tour. Et on fait du mauvais produit, donc c'est important de maintenir un rythme soutenu. Donc on prend la main, on va tirer un petit peu vers le sens du croissant, voilà, tout doucement, voilà, sans le craquer. Voilà, tu peux le poser. Ouais. Hey, montre ouais. L'appareil. Ça va, c'est un bon début. This is my work. Donc là, j'ai mis un petit coup de dorure, c'est des œufs battus dessus les croissants et les pains au chocolat. Et là, on va les mettre en pousse pour les cuire tout à l'heure, dessus 1 à 2 heures, quand ils seront poussés. Les croissants et les pains au chocolat sont poussés, ceux qu'on a mis tout à l'heure en pousse, ils ont poussé. Donc d'habitude, on met soit des plaques de pain au chocolat, soit des plaques de croissants. Mais là, pour vous montrer, on a fait moitié-moitié. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va mettre de la dorure, donc la même chose que tout à l'heure. Donc bien les dorer pour que ça soit bien brillant à la sortie du four. Sinon c'est terne, c'est pas beau. C'est une étape importante, la même que le tourage également, c'est très très important pour sortir un beau produit. Voilà les croissants à la sortie du four. Donc bien brillants, bien dorés. Là ils sont assez cuits. Donc là on voit le croissant qui a bien feuilleté. Donc on va le couper pour voir à l'intérieur ce que ça donne. Donc c'est bien fondant, c'est encore tout chaud. Hop. On voit bien tout le feuilletage, bien fondant. Là il est encore tout chaud. Alors par rapport à l'hygiène, à la Maison Travers, nous travaillons, même en France en général, nous travaillons sans gants. Pourquoi ? Parce que le problème du gant ne permet pas de pouvoir toucher, de pouvoir avoir de la sensibilité avec le produit. Lorsqu'on pétrit une pâte, nous avons besoin de pouvoir toucher à la pâte, de prendre la pâte, de l'étirer, de regarder le réseau glutineux pour savoir si la pâte est bien pétrie. Si on a des gants, on n'aura pas le même ressenti. Après, il faut savoir que vu qu'on travaille sans gants, on a une obligation de se laver très très souvent les mains à chaque changement de poste, à chaque nouvelle préparation. Nous passons nos mains avec du savon et comme ça, il n'y a pas de souci au niveau de l'hygiène.
All right, thank you so much for watching, everyone. That wraps up today's video from the bakery. And I'm going to be back here again soon, so make sure you're subscribed. Check out the 4 a.m. behind the scenes video, the first one I did, which I'll link above. And again, thank you so much for being here. Let me point out just one quick thing before you go. My channel is about everyday French life and beyond, French culture, and I'm still kind of developing the direction I want to go. So I'd love your feedback. You'll see other things here, not just food, but I'm so happy you're here, and I'll see you soon. Salut!